Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Doctolink sur Hello Neighbor. Alors oui, ça sort comme ça, sans contexte, mais en fait je suis toujours avec Leïli. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Voilà, parce qu'en fait on a tourné ça au même moment que la vidéo Animal Crossing, l'épisode 2, pendant le premier de l'an. On n'a pas raté le compte des comptes, enfin, c'est pas passé encore. Mais c'est pas encore passé. Il est quelle heure là ? On ne sait pas encore. Ouais non, on vous tiendra au courant, il est 22h49. On a encore un peu de temps, et en fait, comme à chaque fois qu'on se voit, on regarde des trucs dehors et tout. Juste avant de regarder des petits courts-métrages d'horreur, on en avait l'air, voilà. Ouais, c'était vachement cool. Et donc, elle a démarré Hello Neighbor et tout, parce que c'est elle qui l'a, pas moi, parce qu'il n'y a pas de vidéo dessus. Et donc, on jouait et on s'est dit, mon dieu, c'est beaucoup trop... Ça fait trop peur. Ouais, voilà, faut absolument qu'on vous le montre. Pour ceux qui connaissent un peu Hello Neighbor, j'ai passé les premières étapes de l'acte 1. J'ai pas encore fini l'acte 1, donc j'ai débloqué les accès dans la maison. C'est encore vraiment le début, hein. Et là, du coup, j'ai eu accès au sous-sol. J'ai un peu marché dans le sous-sol. Bon, je vous avoue que je suis quand même un peu perdue. Et du coup, on avance dans le sous-sol. On a croisé quelques mannequins, quelques armoires aussi pour se cacher. Donc, ça fait un peu peur. Ça veut dire qu'on va devoir se cacher. Quelques murs en briques qui explosent. Ouais. Voilà, on est rendu au mur en briques qui explosait devant nous. Ça nous a bien fait peur. Mm. Et encore, on est là, quoi. On n'a pas encore vu le voisin, genre dans les sous-sols. Je sais pas si ça arrivera. Enfin, si, sûrement. Ouais, je pense. Bah, s'il y a des trucs pour se cacher, c'est que. Pour l'instant, c'est surtout l'atmosphère qui nous fait peur. Voilà. Hein. C'est pas vraiment passé grand-chose. Bah, voilà. Bah, le mur, c'est ce qui nous a motivé à faire les vidéos. C'est... Là, c'est moi qui vais jouer. Après, je passerai les manettes à Octolink. C'est ça. Donc, ouais, faut aller par là. Donc, il y a un générateur électrique à moitié. Je pense que si tu touches, tu meurs. Ah bon? Je sais pas. Il y a un truc encore pour se cacher. Après, il y a des bougies, oui. Voilà. Attends, mais va au truc électrique. Attends, là. On est pas venu ici. Donc, il y a un truc qui arrive par là. Tu veux pas éteindre la télé? Attends, non, c'est pas. Juste avant. De toute façon, ce jeu il a une ambiance. J'ai le droit de casser les mots! Oh mon dieu! Donc on voit des mannequins de temps en temps et ça fait ultra peur. Il y en a un, il faisait peur. On a des verrous, il a la porte déjà. Je préfère cette ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux passer par là ou? C'est R, le bouton, le R sur le côté. Merde, j'ai jeté. On ne voit rien. Je t'ai dit qu'il fallait prendre la deuxième. Mais je l'ai en plus, cette deuxième. Hein. Ah ouais? Ouais. Et personne? S'il vous plaît, partez. J'arrive. Hein. Je suis dangereuse. Je suis armée et ça va faire mal. Oui, il y a un lit ici. Il me fait peur. Ok. Ah, on est déjà venu ici. Non. Si, c'est ouvert là-bas. Oui. Oh my god, je crois qu'on est perdu. On a fait tout le tour. Mmh. Genre, on dirait une silhouette. Oh, c'est où? C'est fermé là-bas. Non mais reviens mec. J'espère pourtant on va pas ouvert. Apparemment. Ah c'est fermé. Faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir, faut qu'on contourne et tout pour enlever la chaise. Mmh.
Mais c'est pour ça, je pense qu'il n'y aura jamais de let's play sur la chaîne parce que Hello Neighbor, c'est certes de l'horreur, mais surtout dans le casse-tête. Ah, cette chaise-là, on n'a pas ouvert. Et vu que c'est la dernière place qu'on n'a pas ouvert, après il va commencer le truc qui fait peur. C'est logo. La caméra elle a vibré, on l'entend marcher. Il est là. Oui, j'ai entendu. Il est arrivé. Tu entends? Ouais. Pars, je suis dalle. Ça se trouve, c'est même pas lui, ça se trouve, c'est un mannequin. Non, je l'ai entendu respirer. Oui. Tu l'entends? Il est encore là. Il fait une pause. Juste à côté de nous. Dégage, te plaît, pars. Il est où? Je pense qu'il est parti là, non? Quand on ouvre, mais il est où? J'entends pas. Mais quand on ouvre les armoires, en fait, ça fait du bruit. Du coup, il vient? Bah, des fois, mais ça fait pas tout le temps du bruit, ça dépend. Ou des fois, il est trop loin, il n'entend pas. Non, mais s'il est trop près, il vient. Mais quand il est pris, on l'entend respirer, là on l'entend pas. Ah si ! Si. Là je pense que tu peux sortir. Mais regarde vite sur le côté, regarde, non mais pas là ! Mais si on le voit, lui il nous voit. Mais il est où ? Bro ! T'es cassé un truc ? Je sais pas. Mais on n'a aucun visuel sur lui. Oh mon dieu. Au moins attends celui là. Allez, je sors. C'est bon, on a vu une petite pause. Mais en fait, je sais pas du tout où il est. Bah vas-y, sors. Je pense qu'il est pas là. On est déjà venu ici. Oui. C'est juste qu'on a débloqué ça en fait. Mais non. On veut pas avancer. Ça veut dire qu'il est à droite. Mais pourtant, on aurait dû le voir s'il était là, non? Il est là? Éteins oui. La lumière, éteins la lumière peut-être, non? Si vous le voyez, vous le voyez peut-être pas. Si vous le voyez, il arrive là. Oui, il arrive. Arrête, il nous a pas vu. Il fait juste du bruit contre le grillage. Tu m'as fait trop peur. Bah, va voir si t'as pas peur. Attends, mais si on entend plus sur le grillage, ça veut dire qu'il a bougé. Il est envers nous. Non? Je sais pas d'où il vient en fait. Mais en fait, il y a. Ça fait comme un point d'interrogation, genre lui il est sur le bout du point d'interrogation. Comme ça, oui, voilà. Il voulait faire le tour pour venir nous choper là. De là où il est, en tout cas, oui. Enfin, je crois. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Bah, vas-y, je pense. Ok, on va là-bas. Mais on voit rien ici. Quoi ce bruit? Il y a des démons à côté de moi. Mais c'est quoi? Je comprends même pas ce que c'est comme objet qu'il a chez lui. C'est des pierres tombales ou... Non, c'est des poubelles. Des poubelles. Hein? Des poubelles? C'est des poubelles. Oh, tu peux pas. Genre, il n'y a pas le. Oh! Il est là. Mais tu peux pas. Enfin. Interagir avec le truc là. Il est là, faut que j'aille me casser. Mais il te voit pas là, je pense. Bien sûr qu'il me voit pas, mais il arrive. Mais est-ce que t'as vu l'espèce de compteur électrique? Et tu joues avec le feu là. Mais pourquoi il a défoncé ça? Genre, regarde là-bas, il y a un espèce de compteur électrique. Mais il est passé où? Il était là il y a 2 secondes. Je ne sais pas. Là, en face.
Non mais. Mec, non si si, il va nous voir là. Mais il fallait pas. Fallait pas bouger. Moi je voulais aller voir. Je suis contracté de partout. Vas-y, tiens, tu vas prendre les mains. Ah non, je vais pas n'importe quoi. Ok. Donc... Comment j'ai enregistré dans tous les cas. On passe à Octolink. Oh moi, ça toujours comme ça. Mais juste là. Baisse-toi. Je suis baissé. Appuie sur le. Je suis baissé là. T'es sûr? Oui, regarde. Parce que de base, on est petit, on a un enfant. Ah oui, t'as raison. Ok. Mais fais pas du bruit, il va venir. Mais vous voyez, il me gueule dessus. C'est bon, il a pas. Regarde, tu vois ça là. Et il est trop loin. Ça là. On peut aller voir, non? Mais faut qu'on aille regarder là où il est, ou si t'as peut-être qu'il y a des trucs. Non. Mais pourquoi? Parce que je crois que j'avais déjà fait. Je crois que j'étais déjà là au tout début. Je me souviens de cette. Si, j'étais déjà dans cette pièce. Bon bah alors. Du coup, faut faire quoi? Ouais, non, si t'as raison. Si. Faut couper le courant. Et tu sais là où il y avait des décharges là? Ouais. Faut retourner là-bas après. Mais c'était par où? Je sais pas. Mais du coup, il va venir? Bah oui, il va falloir faire un jeu au survie, bien sûr. Genre, on va devoir se cacher, lui va nous courir après. On doit retrouver dans l'armoire. J'ai peur, les gens. T'es prêt? Tu cours vers l'armoire. T'es prêt à courir? Je passe par comme ça. Non, mais tu passes direct, au pire, c'est pas grave. Mais s'il me voit, il va me. Oui, c'est si. Tu passes par derrière, je pense. Alors, tu passes dans l'autre pièce. Par derrière? Dans l'autre pièce. La pièce là où il y avait le canapé et la télé. Donc par là? Oui. Ah, je suis bloqué. Attends. J'y vais ou pas? Il y a des trucs qui vibrent, non? Non. Qu'est-ce que je fais, les... Qu'est-ce que je fais? Mais dis-moi ce que je fais, continue! Je sais pas! Tu là, il y a un grillage, donc ça va? Bon, aussi, il arrive, on est dans la merde. Il a remis? Non, il a pas. Je sais pas. Bah, si ça fait le bruit. Regarde là, ça fait des. Attends, regarde le fil et vois où est-ce qu'il mène, le fil rouge là. Oh, il arrive, non. C'est quoi ce bruit? Mais le fil il se coupe, ça veut? Il va en haut. Ouais, je comprends pas ce qu'on doit faire en fait. Bah, faut qu'on arrive à débloquer la porte. Bah, merci, mais. Là, c'est là où il était. Ouais. Ah, le fil. Oh, mais va te cacher. Mais va te cacher, qu'est-ce que tu fais? Il se met trop bien de bruit, en plus, il attend. Mais non, mais tranquille, tu vois, arrête. Oh, je t'assure. Arrête. Ouais, t'as raison, c'est vers là. Mais regarde, il y a le fil, il est là. En fait, le fil il va. Appelle-le, hein! Il a baissé, enfin il a remonté. Ah ouais. Oh, il est là! Mais qu'il arrive! Oh il arrive! J'ai même pas désactivé le truc! Les couilles. Comment on fait? Mais pourquoi tu veux voir là? Faut que t'ailles voir l'armoire. Mais il me verra pas, je pense. J'ai coupé la lumière. Non. Si. Mais bouge avant qu'il lui il bouge. Il court vers nous. Vas-y, fais le tour. Fais le tour, dépêche-toi avant qu'il arrive. Mais non, il bouge pas. Il a essayé de courir vers nous, mais la planche qui bug. Allez, toi,
qu'il nous a pas vus, donc il essaie pas de venir voir nous. Cache-toi. Voilà. On va dans un cul-sac. Hein. S'il arrive de dans la merde, mec. Des proches. On va pas voir là. On est en sécurité là. Oh mon dieu. Les faits sont intéressants mais... mais là c'est surtout que je pense qu'on va être pris. Hein. Non, s'il non. Vient, s'il vient, oui, s'il vient, mais il viendra pas. Non, ça va. Bam. On part de là. Mais là, on est bloqué comme des poissons pourris. Non, mais faut que tu manges les murs. Au moins, il y a du piment. Oh, mais qu'est-ce que tu. Mec, s'il te plaît, tu ne vois pas. Mais mets tout ça au côté. Voilà. Et bouge pas. C'est la statue. Mais il fait son jogging, on est d'accord? Oui! Oh mon dieu! Mais on va se faire prendre, c'est sûr! Mais non! Mais je te l'avais dit d'aller vers la porte! C'est de ta faute! Mais il était pas censé venir ici! Mais regarde, mec, il part, partout. Il part, il part! Mais il part! Il revient! En vrai, je pense qu'il sait pas qu'on est là. Non, il sait pas, sinon il nous aurait coursé déjà depuis longtemps. Et donc il va partir un jour? Mais depuis tout à l'heure, il fait que s'approcher. Hein. Il s'approche, il fait son jogging. Il s'approche, il fait son jogging. Calme-toi là. Calme-toi. Ça ne nous rassure pas du tout. Mais j'ai compris d'un côté, ok. Calme-toi. Arrêtez. Oh, mais là, si tu y vas, il va te voir. Oui. C'est bon, un doublé. Ah ah, je l'ai bien fait faire. Et tout va bien. Voilà. Oh, mais casse-toi. Non, mais ça sent. Je suis bloqué. Il t'a pas vu. Il t'a pas vu. Il t'a pas vu. Va dans l'armoire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais ça pour le coup. Ou pas dans l'histoire? Quoi? Attends, c'était fermé. C'était ouvert ça déjà? Ah ouais, ouais. La porte elle est fermée. Mais parce que les portes se ferment toutes seules au bout d'un moment, je pense. Non, c'est lui qui les ferme. C'est-à-dire qu'elle est passée par là. Bah, ce serait bizarre, non? C'est quoi ça? Ah, c'est des lanceurs de balles! Non. Mais c'est pas que c'est celui qui meurt. Alors, on voit la balle. Alors, on voit la balle. C'est là. Et là, il est où? Il est toujours en train de faire son. Casse-toi! Il nous a pas vu! Oh, il y a la musique qui s'est enclenchée quand même, hein!
Ouais, il était non. bloqué dans le truc. Oui, puis si, là, ici, t'avais vu, ça aurait fait... Enfin, il y aurait eu la musique... En fait, il faut aller là où il est. Tu sais, on pouvait y aller, la fenêtre, on était assez basse. On en fout le cas, on ramène un carton. Mais on, si on peut y aller et qu'on n'y est pas allé, ça veut dire qu'il faut y aller. Dans la maison, la moitié. Ouais, là, l'endroit. Bah, on peut y aller. Là, on était bloqué pendant 3 ans parce qu'il était venu. Je pense qu'on peut y aller parce que lui, il fait toujours son sport. Bah non, il est à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Oui, il était à l'intérieur. Il était bloqué. C'est pour ça qu'il ne nous a pas couru. Il est en train de courir, mais il était bloqué par la porte. Regarde. T'es sûr parce qu'il est quand même. Bah, je vais faire quoi d'autre. On va attendre quand même. Patience et mère de sûreté, comme on dit. Voilà, on jette un objet, on va se rendre compte pour qu'il aille là-bas. Mais au pire, on active le compteur électrique, non? Mais ça va rien faire, le compteur électrique. Mais c'est, au moins, il va venir. Et donc. Mais il sera trop près pour qu'on jette un truc dans l'autre pièce. Mais d'abord, faut pas qu'il soit dans la. Ou alors tu vas prendre une balle. Juste, il se retourne et... Ou alors tu vas prendre une balle. Tu lui jettes. Le sort, hein? Bah oui. Mais tiens, regarde, il passe par là en fait, on peut y aller par là. Non mais... Non. Il y a une porte. Il y a une porte. Si on reste calme. S'il ouvre la porte. Mais ça nous avance pas. À moins que si tu ouvres la porte, peut-être qu'il y a un autre truc. J'ai fait bouger le ballon de basket. Oui. Mais moi c'est vrai, il est trop nul. Dans ma maison, il était beaucoup plus sordide que ça. Non. Il est en train de faire son sport. Oui. Il revient. Il arrive. C'est par là. Il y a un truc. Oui, mais ils l'ont entendu. Vas-y. Pourquoi si on me voit? Oh yes! Mais t'es pas un énorme. Casse-toi! Regarde-toi derrière toi! Fais fermer! Au pire, il nous a pas vu! Vas-y, redescends. S'il monte là comme ça? Non. Il est en notre ombre! Oui. Très charmant. Ça s'est allumé, non? Voilà. C'est quoi ces bruits de la mort? C'est les bruits de la machine et de la chauffière. Mais on est bloqué en fait. Je pense qu'il arrive, le connard. Mais je l'avais ouvert la porte, il a remis un cadenas, c'est une blague. C'est comme ça en fait que je suis rentrée ici, je suis rentrée par là. Il faut trouver une clé. Là c'est l'entrée, là, je suis rentrée par là. Ah oui, en fait on est revenu au début quoi. Bah oui. En vrai, si tu te fais avoir, c'est pas grave parce que bah on va sûrement oui. réapparaître ici. J'y vais. Comme tu veux. Attends, passe sur le côté, tu veux pas aller passer sur le côté? Ça va être deux portes du. Je ferme la porte là. Oui, vas-y. Allez, sale gosse. Il est vraiment trop bien. Il est là encore, on l'entend. Mais tu peux pas passer sur les côtés? Non. Mais non, c'est dans un endroit creux. Si je saute, il va m'entendre dans tous les cas. Il va me rattraper avant que je passe de l'autre côté. Oh, mais là, on est bloqué. J'avais toutes les clés sur moi quand je suis rentrée. Et quand j'ai passé à la porte, ça a changé le synopsis ou je sais pas quoi. Et ça m'a enlevé tous mes objets que j'avais. Ouais. J'avais une pile biche, J'avais une clé à outils, j'avais une clé pour ouvrir les portes. J'avais plein de trucs trop bien. Ouais. C'est déjà bien. Fais ce que tu veux. Allez, ouvre la porte. Avance. Oh bah, il est juste là. Non mais. Passe par la fenêtre. Mais par là. Par là. Mais qu'est-ce que tu fais? Va en face, saute. Oh bah.
En fait, c'est lui qui nous chasse, enfin qui nous évite, je crois. Et tu devrais passer de l'autre côté, du coup. Vas-y, t'as compte de ta mort, là. Vas-y, vas-y. Allez, c'est le grand. Vas-y. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me casse. Allume la lampe. C'est quoi ce bruit? Oh, il peut pas venir. Ça me va très bien. Il était bloqué par le truc. En plus, je me dis, c'est quoi ce bruit? Moi, je n'ai pas envie de savoir. Ah, si, si. non. Si on sait pas, c'est nul. Est-ce qu'on va le narguer? Oui, il est vraiment aveugle. Oh. Ah. Bon. Hein, mais est-ce que t'as bien exploré cette salle? Bon, laisse-le tranquille. Là, il y a des tiroirs. Non, mais c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai regardé tous les tiroirs. Ah, c'est vrai, oui, oui. Je me souviens. Ah, oui, c'est vrai, on est arrivé par là. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Ouais. C'était une petite vidéo tranquille. Dites-nous si ça vous intéresse en vrai. Pourquoi pas en faire un jour? Ouais. Pourquoi pas? Non, mais en fait, dans 30 minutes, on va comprendre et on va refaire. Ouais, peut-être, hein, mais c'est possible. Hein. C'est toujours si vous avez des chips à pisser. Hein. La proposition tient toujours, voilà. N'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux en description. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Octoling et à la semaine prochaine. Bisous, les amis.